Et on voit bien que cette végétation, en fait, qui est donc plus ou moins maîtrisée des fois, mais forme une bande de végétation, en fait, qui est plus une mise à l'écart. C'est pas seulement le cadrage ou le point de vue, c'est vraiment une organisation de la ville qui permet une mise à l'écart des habitations vis-à-vis d'un boulevard ou d'une grande route. Et du coup, cette mise à l'écart crée une bande un peu, pas no man's land, mais un petit peu plus ou moins délaissée, plus ou moins parce qu'elle est quand même entretenue, puisqu'il y a quand même de la tonte. On voit bien que l'herbe est tendue. Mais on sent bien qu'il y a des éléments comme des murs justement des morceaux de trottoir qui sont plus ou moins un peu laissés à l'abandon. Donc ça crée des sortes de zones, on ne sait pas trop, c'est vraiment plus l'impression d'une mise à l'écart, d'une mise à distance en fait des habitations vis-à-vis d'un élément urbain comme une avenue qui serait vraiment presque perçue comme une gêne, comme une nuisance. Et du coup, le seul fait que ça soit fait pour être mis à distance, cette bande de nature n'est pas utilisée en fait, alors qu'elle pourrait sûrement servir de parc.